Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA 5, un petit tuto pour faire des petites levées en manchèse. Donc déjà il faut que vous allez au Los Santos Custom avec votre manchèse. La custom, vous mettez ce que vous voulez, il faut juste mettre des bons freins. On va mettre les freins à niveau 4 quoi. Donc on est parti. Ouais, vous avez vu ma petite tenue stylée, si vous voulez je vous ferai aussi une vidéo comment la faire, elle est facile à réaliser. Donc vous allez dans le Los Santos Custom, vous mettez les freins niveau 4, après si vous voulez mettre le moteur niveau 4 et tout, vous mettez, mais en principal il faut mettre les freins. Donc les freins de course, voilà, je les ai déjà mis. Après vous pouvez mettre les échappements, tout ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez les freins, vous sortez, vous allez là où vous voulez, on va éviter de se faire tuer. Donc on va se mettre là. Donc pour faire une levée, vous accélérez, vous mettez juste votre, mais vous accélérez pas trop, vous accélérez un peu, vous mettez votre joystick en arrière et là vous accélérez un peu. Et là la moto elle va se lever, là voilà, comme vous voyez. Et si vous voulez faire des roues en tournant, bah vous prenez votre joystick. Et si ça va trop vite, vous prenez un petit coup. Donc vous appuyez un petit peu sur R2 pour accélérer et vous mettez juste votre joystick en arrière. Comme ça la moto a fait délever et elle avance doucement. Et vous pouvez tourner, ouais, bon, vous voyez là je tourne. Là je suis tombée, on recommence. On accélère un petit peu, on tourne, on met le joystick en arrière et là je tourne. C'est la moto la plus facile à lever, enfin je pense. Aussi après ce qu'on peut faire c'est des petits cercles. On va essayer d'en faire un, voilà. Désolé, raté. Voilà des petits cercles stylés. Bon là j'ai raté mais... Les cercles j'ai un peu du mal à les faire. Pour rouler tout doucement. Et bien gérer le joystick. Bref, si vous voulez faire des petites levées de pieds, comme ça. Donc maintenant, on va passer comment faire des levées avec un quad, le Blazer Street, pas le quad normal, le Blazer Street. Et on va aller chercher le Blazer Street. Ouais non, on va l'appeler, ça ira plus. Désolé. Ah, allez, dépêche-toi. Blazer Street. Le Blazer Street, voilà. Ah, hop, il est là, c'est bon, on y va. Désolé aussi pour la qualité de la vidéo. Hein. Donc, vous prenez votre quad, comme sur la manchèse, vous accélérez un peu, enfin un peu plus par contre. Là, attendez, on va se mettre là. Là, il y a des voitures. On va se mettre là, voilà, bon. Vous accélérez un petit peu et vous freinez de temps en temps. Le seul problème, c'est que pour tourner, c'est plus dur. On peut pas. On peut, mais là, comme vous voyez, là, j'accélère. Là, j'essaye de tourner, mais je peux pas. En gros, avec le quad, ça va être chaud de faire des levées et puis tourner. Vous accélérez un peu et vous freinez de temps en temps. Quand vous sentez que le quad abaisse ou il lève trop, hop, vous freinez un petit coup. Voilà. Hop, on freine un petit coup. Regardez, là, je freine. Accélère, je freine, je accélère, je freine, je accélère. Voilà, et là ça fait des petites levées. Bon après c'est chaud de tourner, moi perso j'arrive pas trop à tourner. Donc voilà quoi le petit tuto. Il faudrait partager cette vidéo, ça serait cool comme ça tout le monde serait levé. Après si vous voulez faire des petites un petit film levé avec nous, enfin avec moi et des potes, vous m'ajoutez un ami, c'est Uxa Uxa, donc petit U, grand X, 3 petits A et un grand H. Surtout n'oubliez pas à liker. À vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à la chaîne de Bilal Gaming Clash et à Le Dark Geek. Ça fera super plaisir. Allez, n'oubliez pas à vous abonner et à liker. Ciao, ciao.